Il y a ça roule. Il y a la montagne là-bas. Il y a la montagne. Et Barcelone là. Ah oui, Barcelone. Et la montagne là. Et là il y a un camion. Un camion qui va à Barcelone. Ouais, mais moi, beaucoup des camions là-bas, la montagne. Et je vois la montagne. La montagne est là-bas. Et je demande la chanson de Jean Ferrat, La montagne. Je ne connais pas. C'est là, comment la chante, la montagne? Oui, il faut essayer de taper à la police, là, pendant que j'entends bruit. La montagne est belle. Je n'ai jamais existé. Pour la première fois, j'arrive à la montagne. Bah, il faut pas chanter, on est en train de filmer là. Alors, que pensez-vous de la montagne? Eh ben, c'est très montagneux, je trouve. Hein. Ouais. Ouais. Il y a des cailloux, il y a des sapins, il y a de. On va trouver quoi à la montagne? Ben, là, moi, j'ai des pierres. Mais tu le verras encore plus près, la montagne. L'autre est vacant, je suis en train de. La montagne aussi, là. La montagne. On s'approche de la montagne. Actuellement, on est à 123 km. Il y a le camion là. Espagne, film Espagne. 11 minutes Espagne, Barcelone. Non, mais on se trouve au catalan. Et il marque dans 11 minutes, on est en Espagne, c'est marqué. Mais maintenant, il faut parler catalan. Maintenant, il faut parler catalan. Regarde, tu vois la montagne maintenant. Bon, toi, tu fais un peu catalan, moi, je suis un peu Espagne. Voilà, hombre. Aire de repos catalane, village catalan. Village catalan. Ça c'est un camion qui va en catalan. Ça c'est le pont que tu cherchais, Firman, non? Oh. Ah, le pont. Et on est bientôt à Péclonche là, non? Là, on est bientôt à Fort. Ah, Fort. Je crois que. Lui, il roule à droite, lui, hein. Il pas loin. Là, 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 là. Là, là. Là, il y a la montagne. La montagne, vite. La montagne, vite. Là-bas, il y a le pont. Encore un pont. Et que des montagnes. Non. Mais de l'autre côté de la montagne, il y a la mer. Il y a la montagne, Pierre. Vite, 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 faut filmer là. Là, c'est plus grand. La mer. Oui, vigilant, il y a des travaux. Non, parce que c'est trois. Ouais. Ah ouais. Ah, il a oublié sa pelle. La montagne est belle. Ça, c'est la vraie montagne.
peut pas tout faire. Hein. Ah bon, mais la montagne là-bas. Et le panoramique, là. C'est la montagne à gauche et la montagne à droite. Là, elle est plus grande la montagne à gauche là-bas. Le Pertus, prochaine sortie. Ah bon ? Moi, je vois de Pertus. Ben, moi, j'ai lu le panneau blanc. Il y a la montagne à gauche. Ah, la montagne centrale. Bien sûr, c'est les montagnes. Oh, regarde, c'est les montagnes tout droit. Bah, fais attention, laquelle c'est le. C'est quoi comme sortie ça? C'est 2 km. Prenez la sortie 43 à droite. Voilà, gare de péage de Pertus. Mais pourquoi il se met au milieu celui-là? C'est la Hunte. C'est un espagnol en plus celui-là. Il ne peut pas retourner dans son pays celui-là. Un kilomètre, sortie. Péage à 400 mètres. Déjà on sort et après on va au boulot. Boulot. C'est où Pierre Jacques? Ça c'est quoi comme sortie ça? Ça vise un péage. Et nous on a un péage qui n'a pas de péage. Mais là-bas c'est quoi là-bas? C'est sortie péage aussi. Il y a combien de péages là? Là, elle est libre. Là, deuxième sortie, de droite à gauche. Quittez le rond-point à la troisième sortie, vers la D900. Bien sûr, on va faire ça tous les jours. Et voilà, c'est comme ça quand on est en vacances, il faut payer. Il faut l'acheter. Tu l'as donné le string. Il n'y a pas combien c'est 1300. Mais là, il ne veut pas de ticket. C'est quoi ça? Bah, ticket 1, ticket 2. Et moi, je n'ai pas de ticket 2. 2,50. 2,50. Voilà, Aubrey. Barrière ouverte. 3, des 900 Pierre. 3. Tu m'as pas compris, tu veux pas. Bah, quand tu regardes, c'est marqué D900, c'est D900, c'est comme ça. Sinon, on fait 1,28 de l'eau. Voilà, c'est la deuxième sortie. Bon, là, tu regardes D900. 1900. Et pourquoi il met D900 là-bas? Mais parce que c'est toujours 1900. 1,9. Je parle deuxième sortie. Quittez le rond-point, puis prenez le rond-point. Là, il y a Pertus, va à droite. Pertus. Voilà. Boulou. Et là, il y a le truc des thermes aussi. Ouais, ouais. Ouais, normalement, le. Quittez le rond-point à la deuxième sortie, vers la D900. Allez, on est bientôt arrivé. Ah, le boulou, là, le boulou. Nous, il faut qu'on aille au Pertus. Hein. Non, voilà, Pertus. Arrive. Voilà, normalement ça va, après tu vas grimper un tout petit peu et après,
d'arriver. Ça grimpe, c'est là, c'est montagne. C'est, quand tu vas à Argelès-sur-Mer, tu vas au Coulio. Ah bon? Bah oui. Quittez le rond-point à la deuxième sortie, vers la D900. Je suis en train de filmer tout le machin là, comme ça, tout seul. Deuxième sortie. Oh, regarde ça pire là-bas, la montagne est haut. Là, là, on va tout droit là. Et la montagne aussi là. Bah écoute, je filme. Filme là-bas. Eh hey, mais. Là, tiens, attends, là, il y a l'hôtel. Là-dessus aussi. Dans 8 km, vous arrivez à la destination. La destination se situe à gauche. La destination se situe à gauche, je l'ai dit. Bah oui, parce qu'il y a la frontière. Le beau soleil du Perthus. Là, il y a le terme de Boulou. Là, on est situé dans le terme de Boulou. Fermez, faut ouvrir, faut fermer, faut ouvrir. Là, on, là, va la Rome Park. La Roma, 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 un musée de Liège. Liège, c'est le bouchon de Liège. Hein. Ah bah ah, c'est pas pareil. Il ça trompait de pays. Hein. Bon, Perthus, Pierre. Je te ramène à Perthus, hein, parce que tu sais plus où c'est. Hein. Non, mais moi j'ai jamais été. Tout droit. Le triangle. Ah, ouais, c'est à 6 km. 6 km. Ah, mais l'année dernière, il n'y en avait que 4. C'est bizarre, ils ont changé là. Ah, ils ont fait les mises à jour. Alors, la terre s'est allongée un peu. Voilà, c'est à cause de la montagne. Et n'oublie pas, il y a un gibier qui peut passer par là. Maintenant, on va voir la montagne. De Jean Ferrat. Et la montagne. Apparaît la montagne. À votre droite, vous vous trouvez derrière la montagne de Bordeaux. Tout droit, vous allez au Perthus. Là, dans 100 mètres, tu peux voir l'autoroute qui va en Espagne. Il est au-dessus de notre tête. C'est l'autoroute. Ouais, c'est l'autoroute qui est en haut. Si tu serais resté sur l'autoroute, tu serais là-bas, toi.
et la montagne. Là, il y a un restaurant, la Yeita. Je connais pas ça. Prudence. Prudence, parce qu'il y a virage gauche-droite. Voilà, hombre. Attention au feu, il n'y a pas de feu. Voilà, hombre. C'est un restaurant. Tu as faim, tu manges comme un haro. Oui, c'est si on veut, c'est le Vosges du sud. Il y a les pierres de la montagne. Ah ben c'est les... Moi, j'ai jamais vu la montagne. Non, moi, je rejoue la lumière parce que je vois la montagne pour du vrai. Moi, je veux la vraie vérité. La montagne pour de vrai. C'est la montagne. Mais il y a quoi comme arbre dedans? Ah ben, il faut monter à la montagne. De toute façon, là, on va commencer à monter maintenant, jusqu'au Pertus. On dirait qu'on descend. Non, on va monter. Là, tu vas descendre. Mais on va grimper. On va descendre et on va monter. Ah, la montagne. La montagne. J'ai laissé rouler Fiamma une fois ici. C'était avec une voiture, je ne sais plus quoi. Là. Elle a grimpé, ça monte. Ça monte. Parce que là, tu vois que des rochers. Là, tu viens quand il pleut, il y a beaucoup d'escargots. Escargots de la montagne. La vraie montagne du vrai. Regarde à gauche, mais regarde à droite, tout droit aussi. Hein. Je vais te dire, tu vois. Moi, je regarde partout, hein. Droite, à gauche. Ah, c'est bizarre, il pleut. Là, c'est l'eau de Collioure. Je sais pas, faut toucher aussi. Regarde Pierre, la montagne. Quel vertige que vous parlez. Ça c'est des vertiges ça? Non, c'est on appelle des vertiges de mouvement de terrain. Bon. Quand tu bouges avec la boîte. Ils ont mis des pierres autour. C'est une montagne à Fiamma. Celle-là c'est pas mal celle-là. Mais la montagne est toujours existée. 4 melons, 4 euros ici. Wow. Voilà, allez. Et c'est là que les gens ils vont chercher les trucs. Ça, c'est pas cher, ça. C'est quoi, les statues? Les statues. Le village artisanal. Après, faut aller, Pierre, ici. Oui, regarde tout droit. Là-bas, il y a la fosse de Lyon. Oh, c'est beau. Allez, filme là, parce que moi, je vois pas ça. Moi, je savais pas, moi, que j'étais preneur de vidéo, là. Et voilà, l'autoroute qui va à l'Espagne. Mais nous, on reste en bas de l'Espagne. Ouais, nous, c'est l'Espagne sans l'Espagne. Pertus, Pierre filme. Il y a marqué Pertus. Bon, ici, a fait une photo gauche. Mais c'est là qu'il faut se garer. Non, continue jusqu'à que tu vas à proximité de la frontière. À travers un peu la ville. Oui, catalane, il faut filmer, catalane. Ouais, on va filmer catalane. Vous êtes arrivé à la destination.
est obligatoire ici, hein, Imar. À l'avenue de France, bienvenue en France. Vertus.